Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de ma campagne avec Malekis. Alors on en est où ? On a deux provinces et demie. Et ce demi pose problème, on l'a vu au précédent épisode. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse corruption chaotique, ce qui fait que l'ordre public est très mauvais. Vous voyez, la corruption influe sur moins 16 à partir de... Enfin, moins 16 en... par rapport à la corruption chaotique, ce qui fait que l'ordre public est très très mauvais et qu'on a des rébellions constantes. Alors ce que je vais faire, la dernière fois j'avais châtié cette rébellion, ce que je vais faire avec vous, je vais vous remettre en ville pour se refaire. Cette armée sera pas bien dangereuse, je pourrais la rattraper quand je veux. Ce que je voudrais faire aussi, c'est essayer d'augmenter l'ordre public. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. À la place, je mettrai l'ordre public plus 4. Je pourrais monter à plus 6. Et ici, ce sera pareil. Dans 3 tours, je pourrais utiliser ce bâtiment-là pour faire de l'ordre public. Et peut-être que ce que je vais faire aussi tout de suite... Alors, je peux pas, ce sera au prochain tour. Je pense que je vais créer une autre armée. Sinon, je vais être coincé. Je vais pas pouvoir soit finir Mung ici, ce qui est la faction avec qui je suis en guerre, ou alors Gronde qui est là, sachant que Gronde, j'ai aussi une quête qui est là, qui m'intéresse énormément. Au niveau du Vortex, comme d'habitude, je suis en retard, mais c'est pas très grave, donc on va faire avec. Allez, je vais passer le tour. J'ai aussi mon agent qui s'est fait... qui est blessé à cause de l'argent de Gronde qui est là. C'est dommage que je sois entré en guerre si tôt contre Gronde en fait. Mais j'étais un peu forcé de mémoire par mes alliés. Ah ah ah, échec total, bah très bien, l'agent il s'est blessé en attaquant ma ville. C'est parfait. Donc si l'armée de la rébellion reste ici... Alors je sais pas où elle est. Si elle est là. Vol, le grand artisan. Dieu elfique des forgerons n'a jamais béni l'épée que vous avez forgée. Ouais. C'est la deuxième quête, ça. Cette insulte est impardonnable. Bon, je vais le faire en automatique. Bon, donc là, c'est là où c'est l'heure du choix. Alors ce que je vais faire, j'ai demandé à mes alliés, me semble-t-il, on va vérifier ça tout de suite. C'est ça, ils vont tous là-bas. On va essayer de voir si on peut demander aussi à mes autres alliés d'aller par là. Alors, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que pour l'instant, je suis quasiment ami avec toutes les factions d'Elfes Noirs. Ce que j'espère à terme, c'est bien sûr la Confédération. Vous voyez, tout va très très bien avec ces factions-là. Alors, donc je laisserai bien mes alliés s'occuper de terminer Mung. Pendant ce temps-là, j'irai bien, moi, m'occuper de Gronde. Donc on va faire ça. Et ici, on va créer une armée. Alors, je regarde ce que je peux faire au niveau des bâtiments, quand même. Voilà, donc ici, on va faire ça. C'est très important. Alors, ici aussi, ça descend de 1. Écoutez, on va faire ça. On devrait comme ça être tranquille dans quelques temps. Ça devrait revenir en positif. Là, il n'y a rien qui presse, surtout que je vais avoir besoin de créer une armée. The very air is tainted. Alors je pense qu'on va aller chercher... Celui-là est pas mal. Et on va commencer le recrutement. Alors j'ai pas grand chose, donc on va... Voilà, on va commencer tranquillement. Ce que je veux, c'est être capable de contrer une rébellion. Oui, ça descend. Bon, allez, on passe le tour. Je pense que j'ai tout fait, là.
Ah, j'ai peut-être eu tort d'essayer d'envoyer le cul du plaisir au nord, mais je pense qu'ils vont pas y aller de toute façon. Ils ont suffisamment à faire au sud et à l'ouest avec les Khemri. Ça, c'est dommage. Donc on va enchaîner, on va aller là. Bon, ici, je suis certain qu'il y a une armée, hein. Parce qu'on l'a vu, il me semble, quand j'avais envoyé mon agent. Dreadlord, at your command. Ah ben, il est revenu, ça tombe très très bien. On va le renvoyer en éclaireur. Dreadlord, at your command. Donc, j'ai des sous, on va en profiter. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Non, j'ai tout dépensé, bah c'est très bien. Monde de fer, ça continue à descendre, mais on va compenser ça tout à l'heure. Ici, bah, la présence militaire va s'augmenter, puisqu'on augmente l'armée. Mais vous voyez que la corruption à moins 17, c'est terrible. Et le problème, c'est que j'ai rien, hein. Enfin, je vais revérifier quand même, mais je pense que j'ai rien pour lutter contre la corruption. La seule chose que j'aurais, ça serait un édit de province, mais le problème, c'est que je ne peux pas avoir la province, puisqu'elle est détenue en partie par mes alliés. Non, il n'y a rien. Ok. Bah, de toute façon, j'ai pas d'argent, donc on passe le tour. Ok, ça c'est très bien, qu'ils s'attaquent au sud entre eux. Ok, je suis en retard sur le rituel, on le voit ici. Ils ont déjà terminé, Morse a déjà terminé le premier rituel. Alors je me suis pas encore occupé de créer une arche noire, mais je pense que financièrement c'est pas le moment. Oh oh. Alors, on va lui donner un sort d'attaque. Ok. Alors, attention. Ils ont des corsaires noirs. C'est-à-dire que ça, c'est des troupes qui sont plus fortes que moi, à la base. Hein, que les troupes que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à bouger? On va bouger. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose tout de suite ici? Oui, on peut augmenter l'ordre public. Ok, ça c'est très très bon. Le surplus de population, il me faut combien? Dans 4 tours, je pourrais augmenter ça. Ok, ok. On va peut-être y arriver un petit à petit. Là, ça continue à descendre, mais ce que j'ai fait là, ça devrait compenser. Ok, on va continuer à recruter. En fait, je pense que je vais aller me chercher des balistes. On va passer le tour. Pour faire ce siège-là, je vais avoir besoin de balistes. Donc je vais aller en créer quelques-unes. J'aurais peut-être dû le faire dans la ville précédente, en fait. Est-ce que je peux y aller?
Ouais, je peux aller à Naggaroth, donc on va le faire. Donc on va déjà en recruter une. Alors c'est vrai que j'ai... Je vais en prendre une autre. Donc là on est pas mal, là, même si j'ai pas de place pour mon assassin. Alors évidemment, j'ai d'autres troupes que je pourrais recruter. Ouais, comme je suis en train de recruter une deuxième armée, on va rester comme ça pour l'instant. Voilà. Donc là, c'est déjà positif. On est revenu en positif. Tout est très bien ici. Donc là, ça c'est une priorité. Et pour le reste, on va peut-être faire des routes en fait. What now? Allez, on passe le tour. Ah, j'ai pas dû jouer mon assassin, je pense. Donc le CERN aussi a terminé. Alors ce que j'espère, c'est qu'assez vite, je pourrai confédérer avec les autres factions d'Elfe Noir. Et pour ça, il faut que je grimpe en puissance. Alors, les technos, il nous reste quoi? Ouais, bof. Très bof. Très très bof. Harpie, j'en ai pas. Je pense que j'ai 3600, on va commencer à venir ici. Alors, on va faire ça. Delicious. Et donc toi, t'es prêt à te déplacer. Donc je suis à 15. Corruption of the vilest sort. Ouais, je suis vraiment embêté. Il faudrait vraiment que j'arrive à confédérer avec eux. Alors, on va regarder ça tout de suite. Your time with me is precious. Et non. Master of... Welcome to the Black Court. Je pense que ce qui accélérerait tout ça, c'est que il soit attaqué et il soit surtout en sale état, quoi. Noble born, please share your inanities with me. Après, pour accélérer les choses, il faudrait que je sois en guerre contre toutes les factions. Ça, je vais pas le faire. Speak. Acquit yourself well. Cruel dreadlord. Am I supposed to listen? Master of cruelty. Non, ça je peux pas. Ok. Donc, ils ont bien qu'une ville, il leur reste pas grand chose. Hein. C'est pareil, cette faction avec qui je suis en guerre, ils sont pas bien non plus. Hein. Eh ben écoutez, je vais passer le tour. Il me semblait que j'avais vu Exoalt ici, mais on les voit pas là. Ils ont peut-être reculé. Et ça c'est quoi? Ah, c'est une faction d'elfes noirs aussi. Ah, c'est Sildrator en fait. Qui sont justement en guerre avec Exoalt. Ah purée.
Mon agent a encore été abîmé. Alors, ça c'est pas mal. Ça, ça me paraît très très bien. Ok, mon agent s'est fait secouer ici. 40%, c'est pas des masses hein, pour les embuscades. J'avais pas une quête où il fallait que je fasse du raid aussi. Mais si, eh ben c'est très bien. Voilà. Comme ça, ma quête sera validée. Je vais quand même regarder avant. Voilà. Ça, c'est une priorité. Sinon, en termes d'ordre public, ça va plutôt bien. Allez, je passe au tour. Ok, vous voyez les elfes noirs là, ils attaquent une ville de d'Exoalt. Ils ont toujours un sacré nombre d'armées. C'est embêtant, mais je pense que je vais l'accepter. J'ai besoin d'augmenter mon entente avec eux, à cause de justement de ma province qui pose problème. Ok, ça c'était mes raids. Donc la rébellion, on sait que ça va arriver. Donc déjà, est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? On peut faire ça et on va pas se gêner. J'ai déjà quasiment tout dépensé. Là, il n'y a quand même pas d'urgence. Alors ce que j'aimerais voir, c'est quand est-ce que va revenir mon agent dans 3 tours. Je le sens pas cette bataille. Est-ce que j'irai pas chercher l'autre d'abord? Le problème c'est qu'ils vont m'attaquer aussi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en embuscade encore une fois. On va voir ce que ça peut donner. Alors. Tyrant. Ok. The Black Court waits with bated. Non, rien à faire. De toute façon, je pense que ça démarrera. Ça se détériore. Pourquoi? Ok. Do not presume my patience. Dreadlord, am I supposed to listen? Dommage, j'aurais bien fait du commerce avec eux. Master of pathetic creatures, be brief. I care not for your. Ça, c'est pas possible. Ok, Mung est toujours là. Dreadlord, at your command. With noble purpose. Allez. Ok, la rébellion est là. On me demandait la paix, j'imagine. Ok, je pourrais lancer donc le rituel.
Allez. Destruction. Retreat. Power grows. Voilà qui est fait. Ok, donc je vais être obligé de me TP. Ce sera quoi en face? Mais... des hauts elfes. Avec Tyrion lui-même. Et du beau linge. Donc je suis pas prêt de faire ce truc-là. Faudrait que j'améliore mes unités. Bon, ça donne quoi ici? Et ouais. Ça change pas grand chose pour l'instant. Dreadlord, at your command. Ok, là je suis en positif. Allez, on va faire ça. Monte fer. Alors pour tous, je pourrais quand même faire ceci. Never. Dark Lord. Je vais pas m'en sortir, hein. Je sais pas comment faire, hein. C'est rare, mais je sais pas comment faire là. On va essayer d'attaquer. Mais je prends... écoutez, on va... je pense qu'ils vont me repousser, c'est ça le problème. Avec leur armée. Alors ici, ça donne quoi? Ah. Peut-être qu'ils y vont. Enfin. Morathi, what is it you see? I am moving. Dark and noble. Allez, on passe au tour. Alors j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout du siège, mais je pense qu'ils vont me repousser. Et la bataille, elle peut être ouais. J'en étais sûr. Et je suis pas bien avec ça. On va reculer. Ah, j'espérais qu'il me suivrait, mais non. Bon, je sais pas comment faire. Hein. On va y réfléchir au prochain tour. Là, je garde une case pour mes murailles. Mais j'ai pas les sous. Abominable Snow, King of Nagaloth. Allez, finissez Moong. Ça me fera un souci de moins. Ah, je suis embêté là, je suis vraiment embêté. On va réessayer une fois une embuscade.
What now? Ah, revoilà Xoalt. Alors je sais pas si Xoalt est en guerre avec ses Khemri là. Par contre, vous voyez ce qui se passe ici. Hein. Ah ah ah. Ça par contre, ça va peut-être les aider. Ça c'est très bien aussi. Toujours dans mon optique de confédérer un maximum de factions d'elfes noirs, ça pourrait être sympa. Ok, mon assassin. Ah, il est là. Très bon. Cruelty and violence. Je sais pas comment faire. Hein. Parce que ça ferait moins 7 par tour, donc j'ai pas beaucoup de temps pour y arriver. Hein. Sinon l'alternative c'est que je demande à mes alliés. Dreadlord, awaiting command. Non, ils sont pas en guerre contre eux. Non, je vais laisser filer pour l'instant. Yes. Ça se détériore. Ils ont plus que 4 villes hein, et en gros une armée donc ils sont pas loin d'être mûrs pourtant. Bah, je sais pas quoi faire. Bon, on va repasser un tour. Exoalt. Ok, ils ont pris la ville ici. Évidemment, entrer en guerre contre eux, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors, justement, vous êtes là, vous. Lord of Fear. Words have the power to woo. Alors, vous, je vais plutôt vous envoyer vers ça. Master of cruelty. Et vous aussi, d'ailleurs. Dominance. Dreadlord, awaiting command. The people are displeased. Dreadlord. Et on va y aller. Je pense que j'ai. Y'a que comme ça que ça sera facile en fait. Toi, je pense que t'as un malus. Ouais. Et avec toi, il n'y a rien de mieux que 40%. I'm going. Death awaits them. Yeah.
je vais pas investir. Par contre, ça c'est combien? 3000. Ouais, donc je vais attendre. Alors les monts de fer, ça descend évidemment à cause du raid, j'imagine. Ouais. Donc on va rien faire non plus. Ah si, il y a quand même... Ouais, j'ai pas les sous. Allez, on passe au tour. Alors c'est carrément Mazdamundi qui est par là. Alors, il y a encore une ville du culte du plaisir ici. Non, ça commence à bien faire. Je peux pas être en guerre avec tout le monde. Surtout que là... Depuis que je suis en guerre avec les hommes bêtes, ça n'a rien changé en termes de diplomatie. Mon embuscade a échoué. Eh ben c'est pas gagné, mais on va la jouer la bataille. Je pense même qu'on va la perdre. En tout cas, on va faire le maximum. Allez. Alors sachant que leurs unités sont quand même pas toutes en forme. Dark shots. We are ready. Bleak swords. Death hag. Corsairs. Battle ready. Est-ce qu'on les fait cavaler un peu? Allez, on va essayer de les balader un peu. Ici, on va certainement se faire contourner. Hein. Présente pas super bien. Pour le moment. Bloody murder!
Je suis en train de perdre ma cavalerie. Ok, par contre j'ai le bonus là qui va me faire du bien peut-être. Et je pense que c'est perdu. Cassez-vous de là. Il n'y a que mes tireurs qui s'en sortent pour l'instant. Ouais. Pas assez nombreux. C'est la fin. Comment il fait pour me charger alors qu'il est en morale tenant ça? Tirer un coup là. Ok, c'est la fin. Ah, j'aurais pas dû entrer en guerre contre eux. Je pense que c'était une erreur. Bon, alors qu'est-ce qu'ils vont faire de cette ville? Est-ce qu'ils vont la raser ou pas? Voilà la question. Détruit. Alors ici on avait dit, ça me paraît pas mal ça. Ok. Cruelty and violence. For the Witch King. Conquest lies ahead. No mercy. Ok, eh bien, écoutez, on va le faire On va le faire tout de suite. J'ai pas le temps d'attendre. Donc c'est parti. Donc on va avoir des pertes, hein, parce qu'ils sont derrière des murs, ils ont des bons tireurs. On va utiliser nos balistes pour essayer de leur faire le maximum de problèmes. Dark shards.
vont arriver derrière, et ben c'est parti. Ok, on va pouvoir jouer avec ça. Alors vous, vous allez venir ici. En même temps, pourquoi pas aller plutôt de l'autre côté? Il n'y a personne dans les tours, donc on va essayer. Allez, encore quelques pourcents. En plus, on a que cette tour-là à détruire. Hein. C'est ça qui est bien. Ok, c'est parti. On va tirer là-bas. Ah, par contre, ils ont effectivement... On va utiliser toutes nos munitions et on lancera l'assaut. Ok, on va pouvoir avancer ici. Allez, faut grimper. Il peut pas grimper lui? Slash, kill, hack, cut, death,
them! Cold-blooded killers! Massacre them! No survivors! Dredge spears! Kill everything! Nagarothi! Kill everything! Slay them! Lord of Nagaroth! Hear my words! Attack! Nagarothi! Allez vous battre vous là, pourquoi vous battez pas là? Voilà, bonne chose de faite. Pas mal de pertes quand même, hein, mais bon, ça va pas de casse, je pense. Toujours difficile d'attaquer une ville avec des murs, avec des tours et autant de tireurs. Bon, bah, il en reste plus qu'une ville, ce qui me permettra d'augmenter donc ma capacité à fabriquer les tablettes, ou je sais plus comment ça s'appelle, qui permettront de rattraper un peu mon retard sur la course au vortex. The Witch King is victorious. Non, pas de perte. I claim this place. Ok, ok, ok. Et ben ça y va les batailles. Donc il va falloir que j'améliore effectivement mon armée. Alors j'ai quand même perdu une unité ici. Not now, later. Bon, eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ok. Lord of the Black Court. Je l'ai pas beaucoup amoché. Hein. Alors mon problème, c'est évidemment que l'ordre public est pas bon. Ça c'est sûr. Donc il faut qu'on fasse de l'ordre public. Alors mon héros, je sais plus si je l'avais. Ouais, il peut jouer. Qu'est-ce que je peux faire sur la ville? Ok, c'est très bon. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, ça me semble pas mal. On a perdu une ville, mais on la récupérera, c'est pas un problème. Je fais quand même un petit tour en diplomatie. Tyrant. Do go on this way. What? Yes. What do you... Noble of Nag... You are welcome here, but... Lord of Fear. Our court thrives on... Ah, ça m'énerve, ça. Ça augmente, hein, mais pas... Yes. Pas beaucoup, en fait. What motive brings you to treat with us, Druki? Deny.
Druki nobility, what motive brings you to truth? Non, y a rien qu'on puisse faire. Dreadlord, awaiting command. I do not like your presence, so be quick. As ordered. Exalt, rang 6. Hein. Ok, bon, dans tous les cas, je m'arrête là pour cet épisode et je vous dis à très vite pour la suite.